Hello Sunnyman Nation, lundi matin, nouvelle semaine qui commence, on fait le boulot. Ah, fait du bien, je viens de finir 40 minutes de cardio, 500 calories de brûlé, 4 fois 7 minutes tranquille, 4 fois 3 minutes intense. Et on va partir faire les abdos, la sèche commence à vraiment creuser, donc c'est sympa, on commence à voir un peu les progrès réalisés. J'ai mis du muscle, j'ai rajouté de la viande là, bonne quantité, mais bon, je commence à ressembler à quelque chose. Un peu moins de 10 semaines pour arriver au top du top, pour surprendre tout le monde et faire des vagues. Ouais, top 3, on sera là. Allez, à tout, je vais manger, faire mes abdos, je vais manger, je vous retrouve un peu plus tard. Retour à la maison, enfin en train de manger, ça fait du bien. Donc on a 240 g de bœuf, 400 g de riz blanc, un petit peu de ketchup parce que, j'explique, tellement de riz dans ce repas que sinon ça devient sec et je même pas, alors que c'est le plus gros repas, et sûrement le meilleur repas que j'ai de la journée, je peux même pas l'apprécier, je dois me forcer à le finir. Donc parce que ça devient sec. Donc je mets un tout petit peu de ketchup, c'est le seul repas sur lequel je me permets encore. On verra, il faut peut-être le couper un peu après par la suite, mais pour l'instant je le garde. Et j'en mets vraiment le minimum possible, juste pour donner un peu de plus de goût et de soit moins sec, voilà. Avec ça, comme tous les matins, avant mon cardio déjà, j'ai pris mes BCA. Déjà, ce que je fais en général, je me réveille, je bois une grosse goutte de BCA. Ensuite j'en prépare une autre, je prends mon Iron Fat Burner, je mets mon Ab Gel. En ce moment, avec la canicule et l'humidité, etc., je prends aussi le Myocé pour les prévenir les crampes. Ensuite, je prends pour mon petit déjeuner un CLA. Hop là, deux oméga 3. Hop là, une enzyme digestive pour mieux digérer cette quantité de nourriture qui est plus importante que les autres repas. Deux céflaxines. Deux vénaxines. Non, c'est pas celui-là. Vénaxine, circulation sanguine, céflaxine, anti-inflammatoire, et 4 arthroxines pour les articulations. Pour regarder tout ça qui fonctionne bien. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je viens de parler là avec Big Seb. Donc, ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez très bien qui c'est. Puisqu'il m'a rendu visite, enfin, il est venu à Los Angeles déjà à 2 reprises avec Superfed et Flo. La masse poisson, et puis non, ça m'a fait super plaisir là de parler avec lui. Il m'a vraiment touché. Donc, je sais que tu regardes. Donc, voilà, ceux qui ont fait des préparations, vous savez un peu ce que c'est. On met tellement d'efforts, on donne tellement dans tout ça, dans cette prep, on donne tout ce qu'on a vraiment. Enfin, il faut vraiment la détermination, la discipline, pas craquer. Surtout là, on réduit la nourriture, on augmente le cardio, donc on a faim. Et on devient émotionnel, vachement émotionnel, parce qu'on est très... On est, comment on dit, bah, c'est comme une relation amoureuse, on donne tout, on ouvre son cœur complètement. Et bah, c'est là qu'on prend le risque de se faire mal, et c'est là aussi qu'on a la chance de pouvoir être vraiment touché profondément. Donc si on n'ouvre pas vraiment son cœur complètement, on devient philosophique, mais on peut pas vraiment sentir l'amour à 100%. Mais en même temps, on prend le risque de se faire, enfin, d'être blessé, de souffrir. Et la même chose dans une prépa, c'est que si on donne pas tout ce qu'on a, dans ma vision des choses, ça sert à rien de monter sur scène, parce que si on a un autre, enfin peu importe qui d'autre se donne plus que vous, vous allez avoir des regrets, vous allez avoir, enfin pourquoi vous le faites à ce moment-là, quoi. Enfin, c'est un peu ma vision. Après, chacun peut le faire différemment pour différentes raisons, mais bon, en tout cas pour aller à l'Olympia, j'y vais pas pour participer. On a bien compris, et donc je mets tout sur la ligne, entre guillemets. Je me donne à fond, je me réveille tôt tous les matins, peu importe fatigue ou pas, c'est le réveil 5h, boum, cash, on part faire le cardio. Avant le cardio, en ce moment, maintenant, même, je fais mon posing, je prends mes photos pour mon coach, je fais 15 minutes de posing. Ensuite, après ça, en général, je suis déjà en sueur. Après, je fais mes 40 minutes de cardio. Après ça, je fais encore mes abdos. Tout ça avant de manger mon premier repas.
Et après, bah, vous savez, hein, je mange un ou deux repas, je retourne à la salle et je me donne comme un. Je donne tout ce que j'ai, franchement. Je garde rien sous la pédale. Donc voilà, enfin, je vais manger ça, mais c'était un petit mouvement, petit moment. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Et c'est grâce à des gens comme lui, et puis enfin, de voir tous vos messages, etc., ça me soutient, ça me motive énormément. C'est vraiment important comme soutien pour moi. Et ça me fait vraiment super plaisir. Donc. Donc voilà, merci, je voulais vous remercier tous et merci à toi Big Seb et merci à tous les autres en tout cas qui me suivent tous les jours après jour dans cette longue et dure journée, mais bon, qui va vraiment, ça va payer cher. voilà, ça fait vraiment plaisir de partager ça avec vous et c'est tout ce que je voulais dire, voilà. À toutes. Come on, Sean. Come on. Work it. Bump.
Comment ça agit, comment? Work it, work it, work it. Come on. Pump, pump. Nice. Là, on a commencé incliné haut, lourd, ensuite on a descendu un peu, incliné normal, encore plus lourd, on a monté plus haut, plus léger. Et c'est donc la troisième série. Ça, pour ceux qui n'ont pas moyen de mettre un banc sur la Smith Machine sur le côté, c'est une alternative. Par contre, le poids devient vite très lourd.
avec Sergi, ce qui est bien, c'est que c'est une charte d'anatomie, donc on peut vraiment voir ce qu'il travaille. Comment découper. Come on, John, come on. Finish, finish. Easy. Write your whole new story. Team Sergi Constance. Oh, the legend. Come on. Come on, Sergi. Come on. Push it, push it. Come on, work. Nice, come on. Je vous ai parlé l'autre jour quand on faisait les bras, les touch-up. Voilà, on a fait les pecs, maintenant on fait un peu les triceps. Sur ces pull-overs, on serre le dos, les pecs et les triceps. Et ensuite, on enchaîne avec des extensions pour les triceps. On a Danny. Juste là. Je suis en train d'entraîner AJ, qui est un acteur qui joue dans la série. Je sais plus le nom de la série. Ça me va
bien pas. En train de manger le repas après l'entraînement, donc on a 300 grammes de dinde avec 200 grammes de riz blanc cette fois. On a Sean qui a son poisson fish life, Sergi as usual turkey and rice and ketchup. Today we got Danny with us too, Mr. Olympia. We got just rice and steak. Donc steak et riz pour Danny. On va manger ça et je vous retrouve plus tard. À tout. Voilà, retour à la maison et maintenant j'ai le repas numéro 3. 240 g de bœuf, 240 g de patates douces. Et Sergi est en train d'uploader une vidéo YouTube. So stay tuned. And you can watch it soon. We're looking for Wi-Fi. Looking for some connection. Yeah. I don't have connection at my house. Il n'a pas le Wi-Fi à la maison, alors il s'upload ici. Et moi, avec ce repas, je prends 2 oméga 3, un CLA, qui sont par là-bas. Ah, d'ailleurs, je dois prendre mon 2 Venaxine de la deuxième journée et 2e Ceflaxine de la journée. 2x2. Et ensuite, oubla. CLA oméga 3. 2. Et juste un de CLA. Voilà, voilà. Et que vous sachiez, il y aura pour le 14 juillet, je ne veux pas en dire plus. Restez connectés, pensez que le 14 juillet, voilà, il y a quelque chose qui arrive le 14 juillet. Et je vous dirai plus dans les prochains jours. On est le quoi ? On est le 9, vous aurez ça le 10. Non, je peux vous dire déjà maintenant alors. Pour le 14 juillet, on a une promo spéciale. Pour le 14 juillet avec la team Eric Favre. Et vous avez, je ne vais pas dire d'erreur, je vais me déconnecter, juste vérifier, mais je crois que c'est 25% de réduction avec le code que je vais vous dire. Ah oui, c'est bien ça, 25% le 14 juillet sur le site Eric Favre avec le code EFSTANDAY25. EFSTANDAY25. Et vous aurez 25%. Et c'est que le jour du 14 juillet, donc profitez-en. Et c'est pour ça que je vous le donne à l'avance. Comme ça, vous on est le 9, vous aurez ça, vous verrez ça le 10. Comme ça, vous avez quelques jours pour y penser. Je serai de le répéter tous les jours d'ici là. Mais comme ça, au moins, vous ne manquez pas la promo. Je peux en parler au maximum de personnes. Donc, faites passer le message. 25%, ça fait une grosse, grosse réduction. Et voilà, profitez. Et voilà, c'est une bonne occasion de tester les produits pour ceux qui n'ont pas... l'ont pas encore fait, parce que franchement c'est, enfin voilà, vous savez, je les prends tous les jours, moi j'adore, je trouve que c'est la qualité, elle est juste parfaite et ça se sent. Donc tous ceux qui ont essayé sont pas déçus. Essayez les nouveaux BCA aussi, zéro, avec les goûts sont délicieux. Actuellement mon préféré c'est le thé pêche, franchement c'est une tuerie, avec la chaleur en plus c'est vraiment vraiment parfait. C'est rafraîchissant. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des trucs que vous voulez essayer, si vous avez des douleurs d'articulation, pensez à l'arthroxine, etc. Envoyez-moi vos questions sans hésiter, soit dans les commentaires, soit sur Instagram, par DM, etc. Si vous avez des produits que vous êtes tenté d'essayer, ou si vous avez des questions et autres. C'est vrai que parfois, il y a pas mal de produits chez Eric Favre qui sont pas équivalents, mais qui sont dans la même gamme. Et en fait, c'est un peu une montée en puissance. Donc si vous cherchez celui qui est le plus puissant, en général, moi j'utilise tous les... haut de gamme, on va dire, la puissance maximale des trucs. Donc
Voilà, Iron Fat Burner, pour les Fat Burners, c'est le plus puissant. Après, sinon, il y a des brûleurs de graisse et tout, un peu plus doux, le moins agressif, on va dire. Enfin, il n'y a pas de... Enfin, voilà. Il y en a un peu pour tous les goûts, tous les niveaux, toutes les couleurs. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, profitez de cette promo. Voilà, c'est tout. Je vais manger ça et je vous retrouve plus tard. Allez, ciao, ciao. Regardez qui est là. Oh, oh, c'est l'amour. Oh, chabi, chabi, chabi. Jaloux. He leaks for like. One leak, one like. Hein? Voilà, repas suivant. Donc, on a, ça fait combien? 120 grammes de patates, de pommes de terre. Et 300 grammes de dinde. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vous retrouve un peu plus tard pour le dernier repas. Et puis dodo, dodo, dodo. À toutes. Bon, voilà, dernier repas de la journée. C'est 300 grammes de saumon. Et pendant ce temps, Chloé se fait masser par Gina cette fois. C'est elle. Et pas moi. Moi, c'était avant-hier. Et avec ça, je prends deux oméga 3, un CLA. Où sont les oméga 3? Non. Chubby, down. Come on. Watch that fucking camera. I know. Et ici, oméga 3, 2. Ensuite, c'est comme d'hab, myodé pour le décontractant musculaire. 2 EMA, BCA, acide aminé. Boum, dodo. Et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci à tous pour votre soutien. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous bon appétit, bonne journée, bon entraînement ou bonne soirée. Et on se retrouve demain. Allez, ciao, ciao.